Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 15 du Let's Play de Skylanders Trap Team. Dans cet épisode, on va aller au Sky Island, donc on va aller voir Flynn tout de suite, donc c'est parti. Bon, alors toute l'équipe est donc prête à y aller. Et si on prenait la poudre d'escampette avant d'abattre les pirates aériens? Allons au Sky Island, donc c'est parti. Il est temps de surpasser mon propre génie de pilote. Et par ailleurs... Voilà, on arrive sur le niveau, hein, après une séance de tir d'ennemis avec des vaisseaux super durs, hein, je dois l'admettre. Hein. Wow, ça commence déjà les ennemis, là. Vous allez me laisser tranquille, oui. Oh, la saleté. Ah, tout est nettoyé. C'est quoi ça? On va voir. Ah bah c'est pour nous permettre d'accéder à la clé, donc tant mieux. Ça me fait trop rire la radio là. Oust l'oiseau là. J'ai dit oust. Voilà, ils sont chiants, hein, les ennemis, là. Ils sont chiants. Je rêve ou j'ai entendu Tessa? Ah bah ça veut dire qu'elle est dans le niveau. Bah, je vais me servir de Pepper Jack, tiens. Pour une fois que je me sers des méchants pour combattre. J'ai pris Pepper Jack pour le plaisir, hein, je dois le préciser parce que... Voilà, c'est comme ça, hein, j'ai envie, c'est tout. Vous n'avez pas à me juger. Bien, voilà l'oiseau insupportable. Le grand Hawk Mongoose et sa bande de pirates maléfiques. Attendez, ne dites rien, c'est plus amusant de deviner. Laissez-moi réfléchir. Et tant que j'y suis, pourquoi on jouerait pas à casse-pied? Si tu gagnes, je te laisse passer. Allez, tu peux faire confiance au grand Hawk Mongoose. Bah vous savez ce que je vais faire? S'il m'en reste... C'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un qui est voué. S'il m'en reste, vous savez ce que je vais faire? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Enfin, si ça arrive, hein, bien sûr, mais... S'il me reste... Voilà. Hop, comme ça, c'est réglé. Hé hey, comment tu as fait pour me battre? Ce n'est pas qu'une question d'alimentation, hein. Mais on se retrouvera, qui que tu sois. Tu peux me croire. Hé hey, tu peux me croire. C'est ce qu'on va voir. Saleté d'oiseau, tiens. C'est ça, va-t'en. Je crois qu'on a encore une séance de tir à faire. Tu peux m'aider à me débarrasser de ce gars, Skylander? Pas de problème, Tessa. Utilise le canon qui est là pour les expédier dans la semaine prochaine. Ou même dans le mois prochain. Pas de problème, mais on va faire ça en ellipse, hein, donc à tout de suite. C'est bon, on a libéré Tessa de ces maudites créatures qui l'embêtaient. On ne touche pas à Tessa ici, compris? À mon avis, on va encore avoir affaire aux ennemis là, enfin à l'oiseau là qui voulait jouer au Sky Pierre, au Sky Stones. Je sais même plus ce que je dis à force de me couper dans mes phrases, Éon là. Tais-toi, s'il te plaît. Oh mince, hein. C'est quoi ces Cuckoo Clocker évolués? Ils vont m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Je crois qu'on doit encore abattre des ennemis aériens. Oh non.
Allez-vous-en, saleté, là. Ah oh. Parce que ce sont des tirates, imbécile. Non, ça te dérangerait de nous aider en tirant quelques coups de canon? Pas de problème, on va faire ça. Mais comme vous le savez, en ellipse. Donc, à tout de suite. Ça m'énerve bien, là, les trucs aériens, là. Tout comme Tessa et les autres. Encore lui? Ces tourelles sont à nous pour tirer. Et en attendant, je propose une revanche à Casse-Pierre. Je pense que je vais te battre cette fois. C'est ce qu'on va voir. Sauf, je dis bien sauf si j'utilise une triche. Vous allez voir. Enfin, si j'en ai encore, bien sûr, parce que peut-être que j'en ai plus, hein, on n'en sait rien. Ah maintenant j'en ai toujours, donc pas de problème. Allez, on évite, ça y est. La seule chose qui me titille plus que de savoir qui tu es, c'est de savoir comment tu fais pour toujours gagner à Casse-Pierre. Mais la prochaine fois, je vais trouver quelque chose. Allez, va-t'en. Oust. Du balai. En plus, on dirait un mélange d'oiseaux avec la tortue ninja rouge, Raphaël de Tortue Ninja. On a trouvé un trésor légendaire, c'est déjà pas mal. Donc, Glé Géode légendaire. Ok. Bon, on avance, hein. Ah, mais vous avez pas fini de m'embêter avec vos machines, là. Ah bah une porte élémentaire là-bas, j'avais pas vu. Donc on remonte, mais comme vous le savez, on va faire tout ça en ellipse, donc à tout de suite. Déjà un coffre avec de l'argent, c'est plutôt pas mal, hein, donc et juste à côté on a un cadeau, probablement avec un chapeau dedans, hein, comme d'habitude dans ce jeu, de toute manière. Ah, jour de fête. Donc on va récupérer le cadeau. Hop. 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 Et mince. On n'a pas réussi, donc on va trouver un moyen, ne vous en faites pas. Hein. Encore une fois, c'était beaucoup trop compliqué à faire, donc j'ai préféré abandonner. Hein. C'est pas une histoire que je me dégonfle ou quoi. Mais vous le verrez bien, de toute façon, on va faire ça dans des 100%, hein, qui arriveront forcément un jour. Hein, donc arrêtez de me critiquer juste parce que j'ai pas eu la bonne chance pour pouvoir faire ça. Ok? S'il y en a qui me critiquent, je vous jure, vous allez m'entendre, compris? De toute façon, on va se concentrer sur le niveau, hein, si vous le voulez bien. Tais-toi, Éon! Oh, ça suffit! Il ne sert à rien à l'histoire, en fait. Hein. À part peut-être nous aider avec les Skylanders et les méchants. Mais non, pensez-vous, c'est tout le contraire. Pas de problème, Max, mais on va faire ça en ellipse, hein, comme vous le savez, donc à tout de suite. Voilà, c'est bon, on a réussi à les battre, hein, les fameux machins aériens, là. Où sommes-nous? Ah bah, il y a un coffre avec de l'argent, c'est parfait, on va le récupérer. Donc, voilà, chose faite. La richesse, c'est la richesse, la 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 la. Donc on retourne au niveau, mais par quel chemin? À part là, oui. Ah, il m'énerve de me couper dans mes phrases. Hautement gousse et sa bande de pirates sur leur avant-poste minier flottant. À part toi, visiblement. Mais comme personne d'autre ne l'a fait, je sais toujours pas qui tu es. Un Skylander. On ne laissera pas utiliser notre prisme pour faire le bien, seulement le mal. Et comme t'es pas méchant, on doit t'attaquer. Attrapez ce X-Star. Il sait pas que je suis un Skylander, en fait. Mais qu'est-ce que c'est toute cette vague d'ennemis qui m'énerve à force, hein. Mais oust. Oh là 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 là. Combattons.
notre premier méchant à battre, décidément. Take One Crow. Il a plus le même nom. Avec Pepper Jack, c'est beaucoup plus facile de le battre, je dois l'admettre. Donc voilà, des ennemis beaucoup trop faciles à battre. Je n'arrête pas de le dire. En tout cas, on va mettre le piège des ténèbres. Et voilà. Pourquoi mon nom est-il devenu Taquandro ? Le maître du portail, imbécile. Bien sûr, je ne vais pas choisir l'autre qui me semble un peu plus nul. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est faire briller la lumière dans le prisme et ça indiquera le chemin du temple super secret de la reine. Oui, si elle est en or comme tout le monde le dit, ça devrait faire l'affaire. J'y pense. Dépêchons-nous d'abord de rentrer à l'académie. Je dois faire un arrêt technique. On pourrait penser que mon robot saurait faire sa vidange tout seul, mais... Nous avons accompli de grandes choses pour ça. On nous dit en mieux. À toi de me le dire, parce que je n'ai pas tout ça à voir. Donc, le niveau est terminé, donc voilà. Donc le niveau est terminé, donc dans le prochain épisode on n'aura peut-être pas à affronter la Golden Queen forcément, mais on devra trouver où elle se localise, hein, donc dans le Temple d'Or, hein, donc voilà. C'était l'épisode 15 du Let's Play de Skylanders Trap Team, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JS7 Gaming, de HL5TV et de HS5TV2. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique des LEGO Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.